Geneviève Fer, bras nus. La seule. Nickel là. Eh ben pardon. Mais non, c'est vous la vedette. Bon, ben il y en a pour tous les goûts. J'appelle le mandat. Nous manquerons pas de prétention. Vous parlez là. Pour le best-of, le bêtisier, pour ce que vous voulez. Et nous accueillons Guy Pignolet de Pluton Sainte-Rose. La technique est là. Tu vas en ligne tout de suite? Quel projet? Mise au point, mise au point. Madame Elie, bonjour. Petite interview, je veux. Non, à côté de Dominique Picardo, vous ne paraissez plus. Monsieur le représentant de l'ADA, monsieur le représentant de la région, madame la représentante du département, monsieur le président du CCE de Mayotte, monsieur le président du CCE de la Réunion, madame la directrice du parc national, monsieur le représentant du Césaire, monsieur le président de Grandir, du réseau Grandir, tellement majeur, messieurs, au regard de l'avenir de notre île, car l'avenir global de la planète dépend des décisions et des actes de chacun, localement, dans chaque partie du monde. Une île voit le peintre et le musicien, pour le poète et l'enfant, pour le ciel et bonjour à tous. Je voudrais, puisqu'on a pris quelques libertés avec le protocole, peut-être déroger un petit peu la règle aussi et reprendre à mon compte les salutations de l'usage. Je voudrais dire, je salue avec un égal respect et honneur toutes les personnes invitées à cette table, mais aussi toute l'assistance qui est dans cette salle. Voilà. Comme ça, je crois que le détail de peur de l'oublier aussi. Simplement, je voulais signaler par rapport à ce qui était dit avant, il y a aussi la présence de deux invités extérieurs qui vont, enfin, Mayotte a déjà été signalé, qui vont nous apporter aussi un éclairage national, voire international, Madame Cotreau et Monsieur Tubé. Voilà. Ils sont là, en plus des experts locaux que nous avons qui vont nous aider dans nos travaux.
Bien évidemment, je voudrais d'abord remercier en premier temps la mairie de Salazie de nous accueillir. Et c'est vrai qu'on doit s'expliquer sur le choix de Salazie pour faire cette manifestation. J'ai eu l'occasion de dire en petit comité qu'on ne voulait pas avoir une réflexion hors sol. C'est une expression que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de la culture hors sol, qui bien souvent donne de jolis fruits, de jolis légumes, mais qui n'a pas de goût. Donc en fait, on voulait faire avoir une réflexion, avoir les pieds vraiment sur le terrain, et voir les choses. Madame l'a bien dit tout à l'heure. Mais le parc national, ce n'est pas que cela. Et je remercie donc le président du CCE d'avoir évoqué également cette idée. Le protocole, je vais faire court, mais je veux quand même remercier l'ensemble des acteurs présents ici. Ça montre en tout état de cause que le sujet intéresse, mobilise. Et toutes ces énergies qui sont développées, toutes ces synergies qui vont être recueillies pour ensemble avancer. L'éducation à l'environnement reste une action prioritaire de l'État pour accompagner la transition écologique. Totalement dénié à la brume. Quoi que là, ça a tendance à se dégager. Ah ben non, ça remonte. Ça remonte. Non, là, il n'y a pas de point particulier, vraiment, à part la feuille de bois de couleur et le rempart au-dessus. Après, c'est juste pour montrer aux différentes personnes les outils qu'on utilise lors de nos missions de sensibilisation. Et ça, justement, c'est pour les chats de paysage. Je vais vous présenter Dominique Cottreau, qui est à côté de moi. Dominique, on se connaît depuis longtemps. Vous pouvez mettre des mots sur ce que vous faites. Et moi, j'ai bien pu observer depuis une dizaine de jours, je suis arrivée, que vous faites déjà pas mal de choses. Le mouvement, cette précipitation, l'avancée que nous avons pu avoir en tant qu'humains sur Terre. La chargée de mission satisfaite, ouais, déjà. Très satisfaite. Pour une première journée. Pour une première matinée. Matinée, oui. C'est du poulet. Alors, ça va? Vous nous avez pas commandé un samoussa? Un peu moins de plus. Ah, un peu moins de plus. Alors, pas si, samoussa, c'est l'heure. Il arrive, le soleil arrive demain. Ah, d'accord. Et nous saluons l'arrivée de Moéa au buffet. Thank you.
C'est le film, c'est pas une photo, c'est le film, ma chère. C'est un film, vous pouvez bouger. Avec la crise écologique que nous avons actuellement, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les forêts qui nous entourent ne sont plus des choses qui vont de soi et que l'on peut traiter avec indifférence. Nous découvrons qu'elles ne sont plus des ressources inépuisables. C'est dans cette dynamique que, tout simplement cette année, la réflexion de l'équipe de la crèche et petits chouchous s'est portée sur la nature, avec l'envie et le besoin d'emmener l'enfant dans cette démarche de respect et d'inclusion. Donc là, des cradets et le bon élément. J'aurais dit, mes chiens sont encore mon plateau, le sable dans le décor. Et à ces journées très intenses, donc d'échanges, de partage. Et s'agissant de Mayotte, on va vous présenter les actions menées lors des rencontres des journées de l'éducation à l'environnement. Mais avant, en préambule, je voudrais tout simplement dire que nous avons la chance de vivre dans des îles qui disposent des richesses exceptionnelles.